France 1944. Alors que la France est sous l'occupation de l'Allemagne nazie, les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944. Pour inquiéter l'occupant, la BBC diffuse les messages destinés à mettre en action la résistance française. Dans le Vercors et dans les régions de Grenoble, de Romans, de Valence, les maquisards et les résistants ont entendu la phrase suivante : le chamois des Alpes bondit. C'est le signal de mobilisation et des centaines de volontaires affluent dans les vallées et montent au plateau. Fin juin 1944, ils sont près de 4000 sur le plateau, enthousiastes, s'exerçant au maniement des armes. Ils proclament la République dans le Vercors le 3 juillet. Mais ce territoire défie l'ennemi et le général Karl Flum décide d'en finir avec cette résistance. Le 21 juillet 1944, il lance 15 000 hommes à l'assaut du Vercors. L'attaque est générale et s'effectue par les routes, les cols et les airs. Le secteur de Valchevrière est le verrou qui protège le Vercors du Sud. Il est appelé le donjon du château par Pierre Dalloz. En 1944, ce hameau devient un camp d'entraînement. Il est vidé de ses habitants et près de 120 résistants y habiteront répartis dans les granges et dans les maisons. Valchevrière s'inscrit dans le dispositif mis en place par l'état-major de la résistance, dirigé par Goderville, de son vrai nom Jean Prévost. Parmi les unités qui verrouillent les gorges de la Bourne se trouve la 2e compagnie, dirigée par le lieutenant Abel Chabal. Il s'établit près du hameau de Valchevrière jusqu'au belvédère dominant le secteur. Le 21 juillet, les troupes allemandes ont pratiquement conquis tout le canton de Villard-de-Lans. Le 22 juillet, ils attaquent en début d'après-midi, avec environ 300 hommes, la compagnie Chabal. Les chasseurs alpins se battent avec un ratio de 1 contre 5. Mais ils résistent et même contre-attaquent. Vers 17h, Jean Prévost envoie un message au commandant Huet. Succès à Valchevrière. Chabal repousse l'ennemi en lui infligeant des pertes sensibles. Dès 5h du matin, les mortiers allemands entrent en action dans les gorges de la Bourne. Ils sont appuyés par l'aviation. Durant la nuit, les Allemands ont progressé dans les positions des résistants. L'avant-poste de Bellecombe, à 800 mètres du belvédère, est conquis. Les rescapés refluent vers le belvédère tenu par Abel Chabal. Les Allemands se lancent à l'attaque de ce point fort. Les chasseurs alpins allemands, qui sont arrivés par les hauts, débordent les hommes de Chabal qui subissent de fortes pertes. Il envoie un message à Jean Prévost. Je suis presque complètement encerclé. Nous nous apprêtons à faire Sidi Brahim. Vive la France! Le lieutenant lui-même est touché et tué. Les survivants se replient vers Herouilly. Les autres compagnies subissent le même sort et se replient dans les forêts. Le Vercors Sud est alors à la merci des Allemands. Ces derniers incendient ce qui restait du village de Valchevrière. Ailleurs, dans le Vercors, la situation de la résistance est dramatique. Les résistants sont débordés de partout. À 13h, François Huet, de son nom de code Hervieux, envoie un message à Alger, dans lequel il demande une aide matérielle et en troupes. Il réclame le bombardement de l'aérodrome de Valence-Chabeuil, d'où partent les avions qui attaquent le Vercors. Rien ne sera fait. François Huet donne l'ordre de dispersion dans l'après-midi. Tous les combats présents dans le massif du Vercors sont acharnés mais inégaux. En moins de 3 jours, le Vercors est mis à genoux. Plus de 600 résistants et une centaine d'Allemands seront tués. 201 civils meurent dans des conditions souvent atroces. 41 sont déportés et 573 maisons sont incendiées. S'ensuit la bataille de la France, mais ça, c'est une autre histoire.